d'admettre la mienne. Nous sommes tous des
Ce jour de vie, le Seigneur.
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a eu encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Ce dimanche de la miséricorde nous concerne tous particulièrement, où que nous soyons. Jésus veut nous montrer sa miséricorde, comme il l'a montré à ses disciples, comme il l'a montré en particulier à Thomas le 8e jour. Ce jour qui suit le jour du sabbat comme un jour nouveau, qui évoque la création du ciel et de la terre en 7 jours, mais qui évoque un jour nouveau comme une création nouvelle à laquelle nous sommes invités à y entrer. Ces paroles de l'Évangile si riches évoquent donc cette miséricorde au départ, alors que ces disciples-là sont au cénacle, sont enfermés, confinés, ils n'osent pas sortir dehors et on peut les comprendre après tout ce qui s'est passé pour leur maître, le Christ crucifié. Pourquoi est-ce que ces disciples ne passeraient pas aussi par ce supplice? Ils avaient peur, et bien le Seigneur va les rassurer. Il entre dans ce cénacle sans ouvrir la porte, il passe à travers la porte des murs. Il est celui qui est ressuscité, que rien n'arrête, et il vient se montrer à ses disciples, et il montre ses plaies. Bien sûr, nous avons ces images des stigmatisés dans l'histoire de l'Église qui sont plus nombreux qu'on n'ose l'imaginer. Il y a les deux grandes figures reconnues au départ par l'Église, Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, qu'on peut représenter avec les bras ouverts, avec les stigmates sur chacune de leurs mains. Il y a tous ceux qui sont plus proches de nous, comme en Allemagne, Catherine Heinrich, Thérèse Neumann, comme à Châteauneuf de Galore, Marthe Robin, comme aussi en France, Yvonne aînée de Malétroit, et bien sûr, la figure la plus marquante, le Padre Pio, à Saint Giovanni Rotondo, qui chacun était marqué par ses plaies du Christ, et on se demande pourquoi tel ou tel a été marqué par ses plaies du Christ jusqu'à leur mort. Padre Pio, quelques heures après sa mort, avait perdu ses stigmates. C'est de leur vivant qu'ils sont appelés à témoigner comme le Christ de la miséricorde de Dieu. C'est à associer au grand mystère de notre rédemption qui ne se résume pas seulement à la résurrection du Christ, mais à tout ce qui a précédé comme un seul mouvement, un seul acte, la passion, la mort, la résurrection du Christ. Et ses mains transpercées signifient la miséricorde de Dieu qui nous a été manifestée par la mort du Christ. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, il a souffert pour nous, et ressuscité, eh bien, il nous entraîne maintenant, désormais, à sa suite. Et c'est aussi le mot que Jésus a adressé dès le départ à ses disciples. La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme donc ces catéchumènes qui ont pu être baptisés
la nuit de Pâques et qu'on envoyait ensuite témoigner de ce qu'ils avaient reçu. Nous-mêmes, nous sommes témoins de la miséricorde de Dieu ayant été bénéficiaires de cette miséricorde, mais appelés aussi à ne pas rester confinés indéfiniment, mais à aller porter la bonne nouvelle à tous ceux que nous rencontrons. Ce dimanche de la miséricorde est vraiment un dimanche qui résume tout le mystère pascal et qui nous entraîne déjà vers la fête de la Pentecôte, où nous serons appelés aussi à témoigner de la venue du Saint-Esprit en chacun de nous, par le baptême, par la confirmation, chaque fois que l'Esprit-Saint nous a été proposé. Et dans sa miséricorde aussi, Dieu le Père a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission de nos péchés. Par le sacrement de la pénitence aussi, nous sommes aussi bénéficiaires de cette marque de l'Esprit-Saint, de sa miséricorde, de la miséricorde de Dieu, mais pour partir ensuite, pour en témoigner. Quelles que soient les épreuves de notre vie, dans ces temps de maladie, d'épidémie, quelles que soient les épreuves dans nos vies personnelles, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos inquiétudes pour l'avenir, Jésus nous apporte sa miséricorde par ses disciples, mais il fait de nous immédiatement, d'une certaine manière, ses propres disciples. Nous avons aussi à témoigner de cette miséricorde de Dieu. Quelles que soient nos épreuves, la miséricorde nous est proposée et nous devenons en même temps, d'une certaine manière, missionnaires. Le peu de personnes que nous pouvons rencontrer, mais j'en ai reçu aussi des témoignages, ceux qui apportent simplement la nourriture à ceux qui ne peuvent pas sortir sont des témoins de cette miséricorde, de cette paix donnée par le Christ. Ils se croyaient parfois rejetés, abandonnés, et ils découvrent des amis, des frères, des sœurs qui ont souci d'eux. Eh bien, souvenons-nous aussi des paroles du Christ. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette grande espérance de Pâques doit transfigurer nos propres existences si confinées actuellement. Amen.
Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image du début de l'Église apporte l'espérance à chaque croyant vivant à l'ère du coronavirus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce temps de confinement n'est pas évident pour quiconque, spécialement pour ceux qui sont sous l'emprise des addictions. Que le Christ ressuscité, plein de miséricorde, vienne à leur rencontre et leur donne la force et le goût de vivre. Seigneur, nous te prions. Fais-nous poser des actes de confiance totale en toi, par Jésus-Christ.
ceux qui sont reliés dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, dans notre cœur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre Richard, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, tous les peuples de la Chine. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête des papes, de l'eau de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très amour, tous tes enfants dispersés. Frères de fin, surtout on pense au jury de Walter Lutzhauser, Gilles Tanari, Michel Dornier. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la vertu et ton bien, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oh,
seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Il a fait de vous ses enfants, ensemble.
bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Merci.